Salut, c'est Sans Alice. Aujourd'hui, je vous montre comment je dessine de manière super facile et super rapide Sailor Neptune, juste avec un papier et un crayon. Allons-y! Donc, j'utilise un papier canson pour une fois, pas un papier imprimante, pour avoir un petit peu de grain. Comme à mon habitude, un critérium avec une mine 0,7 mm. Donc aujourd'hui, je vous fais une vue de face, comme ça c'est plus facile, c'est bien symétrique. Cela dit, Sailor Neptune, elle a comme une sensibilité, donc je lui ai fait une tête légèrement penchée. Donc je commence comme à mon habitude par les yeux. Cela dit, si vous voulez faire un vrai croquis, enfin pas un croquis, mais du coup une vraie illustration léchée, je vous conseille d'utiliser des repères. Si vous voulez voir ça, j'ai fait d'autres vidéos de tutoriels de dessin avec des repères. Donc comme à mon habitude, je vous ai posé des petits éléments de décor, des crayons Sailor Moon sur le côté et ça me gêne un petit peu. Et c'est normal, je suis droitière, je pose des éléments de décor à droite. Pour vous parler un peu plus du dessin, donc comme elle a la tête légèrement penchée, ses cheveux, bien que vu de face symétrique disais-je, en fait vont légèrement tomber un peu plus vers la gauche. Donc je tiens compte de tout ça et même si c'est un crayonné facile, je place quelques éléments de repère par-ci par-là. Donc vous avez vu que pour modéliser le crâne, j'ai fait quelques traits de manière très très légère. Pareil pour les épaules, je pose un petit peu les éléments du corps. Cela dit, comme je ne veux pas faire un trait définitif derrière un croquis, là en fait tous mes traits sont définitifs, je vais tout garder, donc je fais les choses de manière très très légère d'abord et ensuite je viens appuyer plus fort sur le crayon. Donc c'est ce que j'ai fait justement avec le regard. Au début j'avais posé quelques petits traits légers et là je viens renforcer le tout et ajouter des détails, ajouter des cils, ajouter des traits sur les paupières. Donc c'est comme ça que je procède pour un dessin qui est au plus simple, au plus rapide. D'ailleurs, on m'a souvent dit que c'était mon style qui avait le plus de caractère et de personnalité, parce que quand je dessine en numérique, par exemple, vous avez vu mes autres vidéos du tutoriel, les traits, même si je vais tout garder, ils sont plutôt propres. Alors que là, je sais pas pourquoi, en fait, sur crayon de bois, disons, il y a plus de punch, lié sans doute au fait que j'appuie beaucoup. Donc on passe à ma partie préférée, ma chevelure. Je trouve que c'est là qu'on peut le plus s'amuser et jeter plein de traits. Ici, Michiru, enfin Sailor Neptune, a donc un genre de frange légèrement courbée, enfin comment dire, elle a les cheveux ondulés. Ondulés comme les vagues de la mer, puisque c'est la justicière liée à la mer, une des Outer Senshi que j'adore. Au passage, c'est un request de Morgane, ça fait longtemps qu'il m'a demandé de faire un fan art de Sailor Neptune, parce que on est à fond en train de regarder Sailor Moon Crystal en ce moment, et du coup, ben, pour une fois, enfin, je réponds à sa demande. D'ailleurs, je suis pas habituée au style Sailor Moon Crystal, moi, ancestralement, enfin, vous voyez le collier que je suis en train de lui faire, enfin le tour de cou, c'est pas ce motif là qu'il y a normalement, c'est un rond avec des genres de crochets aux quatre coins. Et là, vous voyez que j'ai fait un genre d'étoile à plusieurs branches. Ça c'est le design de Sailor Moon Crystal, qui en fait est beaucoup plus proche du design original de Naoko Takeuchi du manga. Voilà, donc j'ai tracé tout ça un petit peu de mémoire, et si jamais vous êtes très très pointu, vous voyez que j'ai fait une petite erreur sur le design des boucles d'oreilles, mais je corrigerai ça peut-être plus tard à la mise en couleur. En tout cas, ça fait pas mal de détails. Donc les petites épaulettes, le bras, et je prévois aussi de faire une petite main sur le bras. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu d'espace. C'est parti, on pose quelques petits doigts légers. En fait, Sailor Neptune, elle est vraiment toute en douceur, toute en sensibilité. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Je l'aime beaucoup. Cela dit, c'est le personnage préféré de Morgane. Lui, il adore Sailor Neptune. Moi, ma préférée, à vrai dire, à une époque, c'était plutôt Sailor Saturn. Je m'identifiais beaucoup à elle et désormais, je dirais que, en tout cas, je tends à être plus proche de Sailor Moon elle-même que Saturne. Voilà, je suis devenue plus optimiste. Donc, on continue sur Neptune. Donc,
Que vous dire? Donc là, j'ai terminé un peu l'essentiel de son corps. Vous avez vu que j'ai pas tracé toute la chevelure parce qu'il faut bien tracer toutes les épaules avant de tracer les cheveux qui vont tomber derrière le dos. Donc c'est parti pour la chevelure justement. Donc j'avais tracé quelques traits de repères. Là, je viens préciser avec davantage de repères et maintenant c'est parti pour un trait beaucoup plus appuyé. Donc je viens tracer plusieurs vagues, je prévois deux ondulations. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis? Donc il y a le crâne d'une part et ensuite ça ondule deux fois. Voilà, donc à l'intérieur des ondulations même, en fait c'est pas quelque chose de complètement parfait, mais il va y avoir plusieurs types d'ondulations. Enfin on va dire qu'elle passe son fer à friser plusieurs fois avec plusieurs mèches. Voilà, je trouve que ça permet de donner davantage de volume, c'est beaucoup plus fun à dessiner aussi et à regarder, je l'espère, c'est plus joli. Voilà, donc ici c'est un peu l'essentiel de son apparat, je trouve, sa jolie chevelure. Et en à peine quelques coups de crayon, on est déjà proche de la fin de ce crayonné, enfin de ce dessin, puisque en fait je vais garder mon illustration telle qu'elle. Et à partir de là, eh bien, la mise en couleur, ce sera pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je viens préciser un petit peu le tout, et en particulier le regard, puisque en passant partout, en particulier en faisant les cheveux, j'ai peut-être légèrement fait un petit peu baver certains traits. Et voilà, c'est déjà terminé. Cette fois-ci, je n'oublie pas de signer. J'espère que cette vidéo vous a plu et rendez-vous pour la version couleur.